31 31 31 Au restaurant 3 At the restaurant 3 At the restaurant 3 Je voudrais une entrée. I would like a starter. I would like a starter. Je voudrais une salade. I would like a salad. I would like a salad. Je voudrais une soupe. I would like a soup. I would like a soup. Je voudrais un dessert. I would like a dessert. I would like a dessert. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. I would like an ice cream with whipped cream. I would like an ice cream with whipped cream. Je voudrais un fruit ou du fromage. I would like some fruit or cheese. I would like some fruit or cheese. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. We would like to have breakfast. We would like to have breakfast. Nous voudrions déjeuner. We would like to have lunch. We would like to have lunch. Nous voudrions dîner. We would like to have dinner. We would like to have dinner. Que désirez-vous pour le petit déjeuner? What would you like for breakfast? What would you like for breakfast? Des petits pains avec de la confiture et du miel? Rolls with jam and honey? Rolls with jam and honey? Des toasts avec de la saucisse et du fromage? Toast with sausage and cheese? Toast with sausage and cheese? Un œuf à la coque? A boiled egg? A boiled egg. Un œuf au plat? A fried egg. A fried egg? Une omelette? An omelette. An omelette? Encore un yaourt, s'il vous plaît. Another yogurt, please. Another yogurt, please. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. Some salt and pepper also, please. Some salt and pepper also, please. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. Another glass of water, please. Another glass of water, please. Qu'est-ce que tu fais? Je répare cette chaise. Moi, je savais pas que tu étais bricoleur. Tu peux m'aider un peu? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table. Oui. Il est où? À côté de la boîte à outils, tu le vois? Ah oui, tiens. Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise. Ici? Oui, mais ne frappe pas trop fort. Comme ça, ça va? Oui, continue. Super. Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis. Tiens. Non, j'ai dit des vis, pas des clous. Et c'est un cruciforme qu'il me faut. Un quoi? Un cruciforme. Laisse tomber. Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas? Oui, bien sûr. Et puis je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non. Je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Tiens, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville cet été.
Elle va passer un mois là-bas. Louise ? Ah bon ? Tiens, c'est une coïncidence ? Quand est-ce qu'elle va être là-bas ? Ah, tu voudrais savoir. Je ne sais pas, en fait. Elle va partir cet été. Ah bon ? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas partir ? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon ? Tu vas travailler dans un supermarché ? Ça alors ? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout ? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça, c'est bien. C'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas ? Je vais rester 1 semaine à peu près. Le client. Serveur. Le serveur. Bonjour, monsieur. Désirez-vous passer une commande ? Voici le menu. Le client. Bonjour. Je veux une soupe de légumes, un rôti de porc et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous ? Le serveur. Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client. Que c'est délicieux. Le serveur. Et à boire? Le client. Du vin rouge. Vite, s'il vous plaît, car j'ai très faim. Le serveur. Bien sûr, monsieur. 10 minutes plus tard. Le serveur. Je vous ai apporté votre commande. Bon appétit. Le client. Merci. À la fin du repas. Le serveur. Ça fait 38 euros. Le client. Voilà ma carte de crédit et prenez 5 euros votre pourboire. Le serveur. Oh, je vous remercie et à bientôt. Bonjour, j'aimerais faire nettoyer ce costume, s'il vous plaît. Il y a une tache de café sur la manche de la veste. Là, vous voyez ? Oui, je vois. J'en prends note. Voici votre ticket. Ce sera prêt vendredi après-midi. Vendredi après-midi ? Mais c'est dans 3 jours. Parce que nous n'avons pas de service express. Mais je vais faire de mon mieux. Allô ? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant ? C'est pour moi. Alors, nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait ? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance ? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien ? Vous avez 2 options. Les cours au mois sont à 50 euros. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 euros. Et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours ? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 euros de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. À l'arrêt de bus. Marion. Excusez-moi, madame. Pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus pour Bucarest ? La vendeuse.
Oui, ils partent à 2 heures. Voulez-vous indiquer? Marion. Bien sûr, merci. La vendeuse. En aller simple ou en aller-retour? Marion. En aller-retour, s'il vous plaît. Dans l'autobus. Marion. Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur. Non, pas du tout. Marion. Merci. À quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur. J'espère que ce serait aux alentours de 3 heures. Marion. Ce bus arrête-t-il à Pitești aussi? Le monsieur. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur. Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion. Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur. Voyons. Oui, il est valable. Merci. Le monsieur. Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion. Merci. À vous aussi. Le contrôleur. Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci. Trente-deux. Thirty-two. Thirty-two. Au restaurant, quatre. At the restaurant, four. At the restaurant, four. Une portion de frites avec du ketchup. I'd like chips with ketchup. I'd like French fries with ketchup. Et deux avec de la mayonnaise. And two with mayonnaise. And two with mayonnaise. Et trois saucisses grillées avec de la moutarde. And three sausages with mustard. And three sausages with mustard. Qu'est-ce que vous avez comme légumes? What vegetables do you have? What vegetables do you have? Avez-vous des haricots? Do you have beans? Do you have beans? Avez-vous du chou-fleur? Do you have cauliflower? Do you have cauliflower? J'aime bien le maïs. I like to eat sweet corn. I like to eat corn. J'aime bien le concombre. I like to eat cucumber. I like to eat cucumber. J'aime bien les tomates. I like to eat tomatoes. I like to eat tomatoes. Aimez-vous aussi le poireau? Do you also like to eat leek? Do you also like to eat leeks? Aimez-vous aussi la choucroute? Do you also like to eat sauerkraut? Do you also like to eat sauerkraut? Aimez-vous aussi les lentilles? Do you also like to eat lentils? Do you also like to eat lentils? Aimes-tu aussi les carottes? Do you also like to eat carrots? Do you also like to eat carrots? Aimes-tu aussi
Les brocolis. Do you also like to eat broccoli? Do you also like to eat broccoli? Aimes-tu aussi le poivron? Do you also like to eat peppers? Do you also like to eat peppers? Je n'aime pas les oignons. I don't like onions. I don't like onions. Je n'aime pas les olives. I don't like olives. I don't like olives. Je n'aime pas les champignons. I don't like mushrooms. I don't like mushrooms. Aimez-vous la poésie? Est-ce que tu aimes lire? Ah oui, j'adore lire. En fait, je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu préfères lire? Ça dépend. Certains jours, je préfère lire un roman, d'autres jours de la poésie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tu lis quelque chose d'intéressant? Oui, je lis quelque chose de très beau. Je lis quelques poèmes de Prévert. C'est qui, Prévert? Tu ne connais pas Prévert? Mais tu ne connais rien. Tout le monde connaît Prévert. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est un grand poète du XXe siècle. Je connais juste quelques écrivains modernes. Tu sais, moi, la littérature... Tu connais tous les poèmes de Prévert? Oh oui, je connais plusieurs poésies. Par exemple, j'aime beaucoup « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Je me rappelle seulement quelques phrases par cœur. C'est le début, je crois. « Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. » Ah oui, c'est pas mal. C'est dans quel livre? C'est quelque part dans ce livre, Paroles. Ah, voilà, page 154. Tu vois, chaque poème a un style différent. Certains poèmes sont très courts, d'autres très longs. Certains sont romantiques, d'autres ironiques. Et Prévert a écrit quelque chose d'amusant? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs poèmes amusants. Cortège ou Les belles familles. Tu as vraiment tous les livres de Prévert dans ta bibliothèque? Oui, je crois. J'ai aussi plusieurs livres de poésie américaine, anglaise, allemande. Dis-moi, où est-ce que je peux acheter des livres de Prévert? Dans toutes les bonnes librairies. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème avec ma famille d'accueil. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous écoute. Eh bien, voilà. Depuis que je suis arrivée, personne ne me parle. Oui. Et je sens qu'il y a une grande tension dans cette famille. Et j'aimerais changer, si c'est possible. Vous devez comprendre que c'est un peu compliqué si c'est juste parce qu'il y a un manque de communication. Mais ce n'est pas tout. Le soir, je les entends se disputer jusqu'à minuit. Ça m'empêche de dormir. Et puis... C'est aussi au sujet du repas. Depuis une semaine, nous n'avons mangé que des raviolis en boîte ou des spaghettis. Pas de viande, pas de légumes. Je ne pourrais pas supporter de vivre dans ces conditions une semaine de plus. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir en fin d'après-midi. Merci. Marius. Bonjour, docteur. Puis-je entrer? L'ophtalmologue. Oui, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius. Merci. Je suis venu vous consulter parce que depuis quelque temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue. Dites-moi votre âge et votre nom. Marius. Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue. Êtes-vous allé chez l'ophtalmologue jusqu'à présent? Marius. Non, c'est pour la première fois. L'ophtalmologue.
Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius. Bien sûr. Que dois-je faire? L'ophtalmologue. Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius. A, B, F, H, 5, 8, 9. L'ophtalmologue. C'est très bien jusqu'ici. Maintenant, fermez l'œil gauche et lisez avec le droit le deuxième tableau, s'il vous plaît. Marius. 5, 6, 9, G. L'ophtalmologue. Vous êtes sûr? Marius. Pas trop sûr, je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue. Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec le gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius. 6, 9, je ne vois plus, ce serait en 2 peut-être? L'ophtalmologue. Ça suffit, merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5 dioptrie pour les deux yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius. Je vous remercie, docteur, et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue. À vous aussi. À la gare. At the train station. At the train station. Quand part le prochain train pour Berlin? When is the next train to Berlin? When is the next train to Berlin? Quand part le prochain train pour Paris? When is the next train to Paris? When is the next train to Paris? Quand part le prochain train pour Londres? When is the next train to London? When is the next train to London? À quelle heure part le train pour Varsovie? When does the train for Warsaw leave? When does the train for Warsaw leave? À quelle heure part le train pour Stockholm? When does the train for Stockholm leave? When does the train for Stockholm leave? À quelle heure part le train pour Budapest? When does the train for Budapest leave? When does the train for Budapest leave? Je voudrais un billet pour Madrid. I'd like a ticket to Madrid. I'd like a ticket to Madrid. Je voudrais un billet pour Prague. I'd like a ticket to Prague. I'd like a ticket to Prague. Je voudrais un billet pour Berne. I'd like a ticket to Bern. I'd like a ticket to Bern. Quand est-ce que le train arrive à Vienne?
When does the train arrive in Vienna? When does the train arrive in Vienna? Quand est-ce que le train arrive à Moscou? When does the train arrive in Moscow? When does the train arrive in Moscow? Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? Est-ce que je dois changer de train? Do I have to change trains? Do I have to change trains? De quel quai part le train? From which platform does the train leave? From which platform does the train leave? Y a-t-il une voiture lit dans le train? Does the train have sleepers? Does the train have sleepers? Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. I'd like a one-way ticket to Brussels. I'd like a one-way ticket to Brussels. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. I'd like a return ticket to Copenhagen. I'd like a return ticket to Copenhagen. Combien coûte une place en voiture lit? What does a berth in the sleeper cost? What does a berth in the sleeper cost? Bonjour monsieur, je voudrais 2 douzaines d'œufs et 1 bouteille de lait, s'il vous plaît. Voilà, quoi d'autre? Je voudrais aussi 1 botte d'asperges, 2 kilos de tomates et du sucre. D'accord. Quel sucre? En morceaux ou en poudre? Du sucre en poudre fera l'affaire. Avez-vous de l'assouplissant? Oui, c'est juste ici, dans le rayon des détergents. Pour finir, je prendrai 2 tranches de jambon fumé, 3 côtelettes de porc. Voilà, ça fait 40 euros. Voilà votre ticket. Alors, tu ferais quoi à ma place? Tu accepterais le poste? À ta place? J'accepterais, oui. C'est quand même beaucoup mieux payé. C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis. Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs. Maintenant, c'est toi qui stresseras les autres. Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout. Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage. Oui, la direction est très exigeante, tu comprends? Oh, je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix. C'est la chance de ta vie. On ne le proposera pas 2 fois. Je pourrais aussi changer de boîte. Peut-être, mais si tu comptes changer de boîte un jour, je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste. Et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer. Oui, tu as peut-être raison. André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel. Je suis enchantée de vous connaître. Marie. C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie. Oui, s'il vous plaît. Nous représentons 2 des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché
pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. Gabriel, vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian, le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans une semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans, du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel. Bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour venir à temps. Marie, c'est bien. Je vois que vous êtes préparée à collaborer avec nous. Christian, il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 euros. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel, c'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André, je suis entièrement de votre avis. Christian, alors, on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel, certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie, au revoir, monsieur Gabriel. Christian, au revoir. Trente-quatre. Thirty-four. Dans le train. On the train. On the train. Est-ce que c'est le train pour Berlin? Is that the train to Berlin? Is that the train to Berlin? Quand est-ce que le train part? When does the train leave? When does the train leave? Quand est-ce que le train arrive à Berlin? When does the train arrive in Berlin? When does the train arrive in Berlin? Pardon, est-ce que je pourrais passer? Excuse me, may I pass? Excuse me, may I pass? Je crois que c'est ma place. I think this is my seat. I think this is my seat. Je crois que vous êtes assis à ma place. I think you're sitting in my seat. I think you're sitting in my seat. Où est le wagon-lit? Where is the sleeper? Where is the sleeper? Le wagon-lit est en queue de train. The sleeper is at the end of the train. The sleeper is at the end
of the train? Où est le wagon restaurant? En tête. And where is the dining car? At the front. And where is the dining car? At the front. Puis-je dormir en bas? Can I sleep below? Can I sleep below? Puis-je dormir au milieu? Can I sleep in the middle? Can I sleep in the middle? Puis-je dormir en haut? Can I sleep at the top? Can I sleep at the top? Quand serons-nous à la frontière? When will we get to the border? When will we get to the border? Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin? How long does the journey to Berlin take? How long does the journey to Berlin take? Le train a-t-il du retard? Is the train delayed? Is the train delayed? Avez-vous quelque chose à lire? Do you have something to read? Do you have something to read? Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici? Can one get something to eat and to drink here? Can one get something to eat and to drink here? Pouvez-vous me réveiller à 7 heures? Could you please wake me up at 7 o'clock? Could you please wake me up at 7 o'clock? Paul va mal. Comment va Paul? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu connais Paul. Il fait très bien son travail, il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi? Il va mal. Il ne mange pas bien, il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé, alors? Oui. Il voyage constamment. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non? Oui, bien sûr. Mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui, tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Mais tu vas pas sortir comme ça. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu vas à un mariage. Mais non, j'ai juste essayé de me faire beau. Mais arrête, tu es ridicule. C'est juste un dîner entre amis. Bah justement, je m'habille bien pour aller voir tes amis. Oui, j'apprécie, hein. Mais là, t'en fais un peu trop, non? N'importe quoi, ok, ça va. Je mettrai un jean et un t-shirt pourri. Comme ça, madame sera contente. Ce que je veux dire, c'est que la cravate et les fleurs à la boutonnière, hein, c'est ridicule pour un simple repas, c'est tout. Et change aussi les chaussettes. Hein, mais quoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes chaussettes? Qu'elles sont trouées. Et alors? Mais mes amis sont japonais. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on se déchausse chez eux. Alors t'aurais eu l'air malin habillé sur ton 31 là, avec ta patate aux pieds. Bah c'est bon, j'ai compris. Et toi, tu trouves que tu n'as pas un peu forcé sur le maquillage? Tu rigoles, je me maquille toujours comme ça. Allez, on y va. On va être en retard. La cliente. Bonjour, je voudrais une coupe. Êtes-vous disponible maintenant? La coiffeuse. Bonjour. Bien sûr, assieds-toi. Tout d'abord, je te peignerai les cheveux parce qu'ils sont longs et se mêlent facilement. Comment veux-tu que je te coupe les cheveux? La cliente. Seulement quelques centimètres, pas trop. Je veux les laisser pousser. La coiffeuse. Très bien. La cliente. Et je voudrais aussi
que vous me coupiez une frange, s'il vous plaît. » La coiffeuse. « Oui, bien sûr. C'est comme tu veux. » 20 minutes plus tard. La coiffeuse. « Tu es prête. Regarde-toi dans le miroir. » La cliente. « J'aime bien la coupe. Merci. Je vous dois combien ?» La coiffeuse. « Ça fait 10 euros. » La cliente. « Au revoir. » La coiffeuse. « À la prochaine fois. » Thirty-five. À l'aéroport. At the airport. At the airport. Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. I'd like to book a flight to Athens. I'd like to book a flight to Athens. Est-ce que c'est un vol direct? Is it a direct flight? Is it a direct flight? Une place près du hublot, non fumeur, s'il vous plaît. A window seat, non-smoking, please. A window seat, non-smoking, please. Je voudrais confirmer ma réservation. I would like to confirm my reservation. I would like to confirm my reservation. Je voudrais annuler ma réservation. I would like to cancel my reservation. I would like to cancel my reservation. Je voudrais modifier ma réservation. I would like to change my reservation. I would like to change my reservation. Quand part le prochain avion pour Rome? When is the next flight to Rome? When is the next flight to Rome? Y a-t-il encore deux places de libre? Are there two seats available? Are there two seats available? Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. No, we have only one seat available. No, we have only one seat available. Quand est-ce que nous atterrissons? When do we land? When do we land? Quand serons-nous là-bas? When will we be there? When will we be there? Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville? When does a bus go to the city center? When does a bus go to the city center? C'est votre valise? Is that your suitcase? Is that your suitcase? C'est votre sac? Is that your bag? Is that your bag? Ce sont vos bagages? Is that your luggage? Is that your luggage? Combien de bagages puis-je emporter? How much luggage can I take? How much luggage can I take? 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. Quoi? Seulement 20 kilos? What? Only 20 kilos? What? Only 20 kilos?